qui concerne la viticulture, j'ai choisi d'être assez focus sur un point particulier de la viticulture et de parler des plantes et de parler de la résilience des plantes, c'est-à-dire de leur capacité à retomber dans une structure et une fonction telles qu'elles étaient avant une problématique. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à oublier la plante et oublier le bois dans la plante. Le bois, c'est pas simplement un conducteur vasculaire de sève. C'est aussi un endroit très important pour stocker les réserves. Par exemple, si on regarde une plante, il faut penser qu'une plante ligneuse, c'est une plante étanche à tout prix. Ernst parlait tout à l'heure de cette peau qui recouvre les arbres. Il y a exactement la même chose sur l'écorce des arbres et sur l'écorce des plantes. Là, sur la vigne, en fait, on pourrait concevoir la chose de cette manière-là. Une vigne d'un an, l'année d'après, elle est intégralement et complètement recouverte d'une couche intégralement de bois. Tous les ans, chaque bourgeon va s'allonger. On a le méristème primaire, c'est l'accroissement en longueur. Et ces méristèmes primaires vont développer des feuilles qui vont fabriquer de la photosynthèse. Cette photosynthèse va nourrir, en descendant, le méristème secondaire avec des sucres qui vont faire grossir la plante en diamètre. On grossit donc à la fois en diamètre et en longueur tous les ans. L'allongement et le grossissement en diamètre, c'est sine qua non pour la santé des plantes. À partir du moment où on intervient sur les plantes, où on taille, où on fait des plaies, on intervient dans ce système-là, qui est un système hydraulique. C'est un système hydraulique qui fonctionne grâce aux feuilles et à l'évapotranspiration des feuilles. Alors c'est un des phénomènes extrêmement complexes, et sans doute que Gérald Pollack nous expliquera demain que c'est encore plus complexe que ce que l'on pense. Mais c'est bien les feuilles, par évapotranspiration et par un phénomène qui s'appelle la tension-cohésion, qui font monter l'eau dans les plantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les feuilles sont indispensables au fonctionnement de la circulation de la sève. On a toujours tendance à penser à des phénomènes de poussée racinaire ou des phénomènes osmotiques dans les racines, mais ça, c'est simplement pour le début de la croissance des plantes. Pour tout ce qui suit ensuite, dès que les feuilles sont installées, dès que les feuilles sont en place, ce sont les feuilles qui sont le moteur de la circulation de la sève brute. Cette sève brute qui se transforme donc grâce aux feuilles et à la photosynthèse en sève élaborée et qui vient nourrir en redescendant ces fameux méristèmes secondaires qui permettent à la plante de grossir en épaisseur. Sans parler de tous les avantages des exudats racinaires, donc cette sève qui est relâchée dans le sol et qui permet à la plante de se connecter au sol. Chez la vigne, qui est plutôt une mauvaise élève, on voit des vaisseaux à l'œil nu chez la vigne. On voit à l'œil nu les vaisseaux de la sève brute dans ce xylème. La vigne, elle est capable de monter à des tensions extrêmement fortes de 20 bars. Essayez d'imaginer 20 bars de tension, ce que ça représente, 20 kilos au centimètre carré. En plein mois d'août, vous grattez le sol, vous grattez le sol, vous avez du sec, vous grattez encore sec jusqu'à 50, 60 cm, et votre vigne, elle est encore vivante. Qu'est-ce qui se passe? Elle est capable de presser l'éponge du sol à 20 bars. Vous imaginez ce que ça veut dire, 20 bars? Ça fait un moment que vous ne voyez plus d'eau dans l'éponge. Ça a un coût, tout ça. Ça lui coûte extrêmement cher. Bon, si cette étanchéité, elle est inéluctable et sine qua non, il faut bien comprendre qu'il faut qu'elle ait un système pour la recréer, cette étanchéité. Il y a un Américain qui s'appelle Alex Shaigo, qui dans les années 70-80, a découpé des milliers d'arbres pour essayer de comprendre comment les plantes se protègent de la dégradation de leur matière par les champignons saprophytes. Les champignons saprophytes, c'est les champignons qui sont spécialisés dans la décomposition des bois morts. Alors, ouais, j'ai pas le droit. Je vais faire comme ça. Spécialisé dans la décomposition des bois morts. Donc ce monsieur a découpé des milliers d'arbres et a essayé de comprendre comment le bois, dans sa structure, permettait de ralentir la dégradation de la lignine et de la cellulose par des champignons. Il s'est aperçu que la manière dont se constitue ce bois
permet de ralentir cette dégradation. Il s'est aussi aperçu qu'une étanchéité construite par le cambium au moment des plaies permettait de compartimenter, de fermer complètement, de protéger le bois formé après la plaie du bois potentiellement dégradé par les champignons. Imaginez donc que ce sont des vaisseaux qui sont continus, peut-être d'une certaine longueur les premières années, mais qui deviennent de plus en plus continus, des racines jusqu'aux feuilles. À partir du moment où on intervient sur ces coupes-là, sur une coupe, sur ces vaisseaux-là, là, forcément, la plante, pour pouvoir continuer à aspirer et à mettre 20 bars dans ses vaisseaux, elle a besoin de recréer une étanchéité. Elle fait ce que l'on appelle un mur, une paroi, la paroi numéro 4. Cette paroi numéro 4, que vous ne voyez pas là, est absolument indispensable donc pour l'étanchéité. Elle est fabriquée avec des tanins, c'est-à-dire que la plante utilise la sève élaborée et puis la transforme et fabrique petit à petit des tanins qui lui permettent de construire son système immunitaire, son système de défense. Ces tanins, elle l'utilise non seulement pour recréer cette étanchéité, c'est là où je me permets d'émettre une hypothèse en disant que Alex Chaigo, qui avait fait une recherche sur la compartimentation des pourritures dans les arbres, qu'il appelait le CODIT, Compartmentation of Decay in Trees, pour moi, ce serait plus un maintien de l'étanchéité qui aurait un rôle simplement d'étanchéité pour la plante, pour lui permettre de faire fonctionner son système vasculaire. Et ben, le hasard faisant bien les choses, ça permettrait aussi de limiter l'impact et la vitesse de dégradation du bois par ces champignons livores. En passant, ces champignons livores, c'est les mêmes qui décomposent le BRF. Donc si j'ai une plante par-dessus la plante de l'année dernière, l'année d'après, j'ai une nouvelle pousse par-dessus la pousse de l'année dernière, et c'est toujours les bourgeons, avec à l'aisselle des bourgeons des feuilles, qui font circuler la sève dans la plante. J'ai donc des bourgeons systématiquement, alternes là chez la vigne. Et si je décide de limiter l'allongement chez la vigne, de me dire, j'ai mon fil de palissage qui est ici, je limite l'allongement, donc je coupe le bourgeon le plus haut pour repartir sur des bourgeons latéraux. Je me mets à ouvrir des tubes, que sont les vaisseaux, qui alimentaient les bourgeons du bout. Les tubes qu'il y a ici devraient pouvoir rester fonctionnels, seulement c'est les mêmes qui alimentent la plante et la partie haute de la plante. Donc quand on va faire cette coupe-là, la plante va... Je peux avoir une autre couleur. La plante va faire ce que l'on appelle une compartimentation, c'est-à-dire qu'au niveau des blessures qui sont occasionnées sur le cambium, qui est la seule partie réellement vivante de la plante, qui est la partie qui fabrique la plante, on a une paroi de protection qui se crée sur l'écorce au moment de la plaie. La plante, donc, va recréer son étanchéité. La croissance des sarments de l'année suivante vont fabriquer une nouvelle couche qui sera protégée par cette écorce chimique interne. Et c'est année après année que, de nouveau, on aura une croissance, sarment après sarment, qui va grossir en diamètre la plante. Tout l'intérieur sera donc abandonné, et la mortalité du bois ici, qui le rend non fonctionnel, sera, en fait, ce bois non fonctionnel sera digéré par les champignons saprophytes. Souvent, on a tendance à penser que ces champignons saprophytes peuvent poser des problèmes. Dans la viticulture, on parle d'une maladie, une espèce de maladie fantastique qui pose d'extrêmement gros problèmes, qui peut faire mourir 2% des cèpes par an, que l'on appelle l'ESCA. Et cet ESCA-là, c'est souvent relié à des champignons saprophytes. Et moi, aujourd'hui, après avoir fait comme Alex Chaigo, disséquer des centaines et des centaines de pieds de vigne, je me résous à penser que ce n'est pas les champignons qui posent problème, mais plutôt notre manière de comprendre la manière dont se construit l'étanchéité du système vasculaire de la plante. Pour comprendre aussi l'importance de ça, ce n'est pas simplement vasculaire. L'importance, c'est que le bois, c'est aussi chez la plante, dans ce que l'on appelle les rayons médulaires. Vous voyez, le bois, c'est des cercles concentriques, et puis... Ah, j'ai des crayons. Le bois, ce sont des cercles concentriques qui représentent les années.
Hein, c'est en fait finalement un trait, c'est une année. Je ne vais pas détailler plus que ça. Et puis on a des rayons. Ces rayons là, ils sont à la fois connectés au bois et à la fois connectés aux parties vivantes, dont le cambium, qui est l'usine à fabriquer du bois, et puis le libère, qui est les vaisseaux conducteurs de la sève élaborée. Ces rayons là, qui sont connectés au cambium, ce sont le siège de stockage des réserves dans la plante. La plante, elle ne peut pas stocker des sucres, sinon ils fermenteraient. Elle est obligée de les stocker sous forme d'amidon et elle peut les réutiliser quand elle en a besoin, que ce soit pour des problèmes de parasitisme, de maladie, que ce soit pour relancer son activité au printemps ou que ce soit pour faire mûrir ses raisins s'il n'y a pas assez de feuilles. C'est-à-dire que sur une année, une plante, elle a toute une période de son année, donc 6 mois où elle ne produit pas de photosynthèse et 6 mois où elle va commencer à produire la photosynthèse de plus en plus. Cette photosynthèse, elle va attaquer assez tard, quand les feuilles seront complètement étalées. Avant, c'est d'autres processus internes qui font circuler la sève à l'intérieur, mais c'est des très faibles pressions. Puis, à partir du printemps, on va avoir la sortie des feuilles et quand les feuilles commencent à se développer, le démarrage de la circulation de la sève par évapotranspiration. Tout ça, ça va demander pas mal d'énergie à la plante et toute cette sortie n'est que mue par et que construite par l'utilisation des réserves. Un peu plus tard, la plante va se mettre à fabriquer du bois au mois de juillet. C'est ce que l'on appelle l'ahoutement. En même temps, elle va faire aussi un début de maturation sur le raisin. C'est ce qu'on appelle la véraison. Et à partir de ce moment-là, ça attaque une espèce de concurrence dans la plante entre la maturation des raisins et la construction des réserves. Si vous voulez, la plante passe d'un état végétatif à un état ligneux et elle a besoin de fabriquer des tanins et des phénols pour fabriquer son bois. La période de fructification, c'est une période critique puisque la plante va utiliser davantage d'énergie pour son raisin, qui est un organe puits principal pour la plante, que pour mettre des réserves pour l'année d'après. En fait, ça, c'est ce qui peut expliquer le phénomène dit d'alternance, qui fait qu'une année de très grosse production est souvent alternée par des années avec des productions plus faibles. Vous dire simplement que par rapport à cet état de choses, le fait que les rayons médulaires stockent les réserves, on a une vraie problématique à partir du moment où on remet en question l'étanchéité de la plante. Si on remet en question l'étanchéité de la plante, on remet en question l'utilisation de bois fonctionnel pour stocker les réserves. C'est-à-dire que non seulement, quand on fait la plaie, la plante utilise énormément d'énergie pour faire cette paroi de protection, mais en plus de ça, elle ne peut pas... Génial! C'est la merde, c'est un PDF, alors que c'est tout animé. Ouais. Fais voir avant ce qu'il y a. Ouais, ça c'était la compartimentation. Je dois avoir une petite flèche là. En fait, je montre ce cep là. La compartimentation, c'est ce que l'on voit derrière. Merci à Alex Chaigo de m'avoir... induit et fait comprendre comment ça fonctionne dans la plante. Regardez ici, cette plante-là, c'est une plante qui est montée en plusieurs fois. On a une première pousse et on a une première coupe qui est ici. Cette première coupe a généré une mortalité à l'intérieur. Tout ce qui est noir, c'est du bois non fonctionnel qui petit à petit sera dégradé par la plante, par les champignons dans la plante. On a aussi une autre coupe ici. Vous voyez, cette coupe-là se redéshydrate jusqu'à sa base. Mais en fait, si on suit ici, tout doucement, le trait qu'il y a ici, tout le long, on s'aperçoit que chaque coupe que l'on fait et qui réduit la longueur de la plante va déshydrater la plante jusqu'à sa base. C'est un système vasculaire, c'est des tuyaux. Elle n'a pas le choix, la plante. Et le seul endroit où elle peut le faire, c'est son cambium. C'est-à-dire que le cambium qui se retrouve là, juste sous l'écorce ici, et jusque là, si je fais une plaie en réduisant la longueur de ma plante ici, la plante sera obligée de se priver de l'utilisation de tout son bois fonctionnel qui est là en clair. Elle sera obligée de l'abandonner. Ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas voir tout de suite. Cette paroi-là que l'on voit ici, là, cette petite paroi-là, fine-là, qui va se retrouver dans l'ensemble de la plante, c'est quelque chose que l'on va voir progressivement puisque ça demande une oxydation de ces tanins pour que ce soit visible. Donc souvent, quand on ouvre, on n'arrive pas à lire, on n'arrive pas à comprendre où elle en est parce que c'est progressif et parce que le bois se...
je dirais, se déshydrate progressivement. Et c'est en se déshydratant qu'il change de couleur. En fait, ce que je cherche à montrer là, c'est des plantes qui sont construites de manière un peu plus, je dirais, logique. Ça signifie que pour une plante, et pour la vigne notamment, c'est primordial d'accepter toujours un minimum d'allongement. Quand je pense aux trognes, je pense à ça aussi. Je pense à toi, Alain, quand je pense aux trognes. Pas parce que tu es une vieille trogne, mais parce que l'allongement, c'est quelque chose de primordial pour la plante et qu'on ne peut pas se permettre de refuser cet allongement ou de revenir en arrière sans que ça ait un impact direct dans le bois. Suivez-moi, j'ai absolument rien contre les trognes et le fait que le bois pourrisse à l'intérieur et qu'on ait des phénomènes de compartimentation puis de dégradation de cette matière, c'est extrêmement favorable pour la biodiversité, pour le logement d'insectes, d'animaux et puis aussi pour le sol, forcément. Par contre, pour produire des planches, là, j'ai plus de doutes. Parce que forcément, ce bois-là sera de mauvaise qualité après. Construire un cep vivant avec un bois fonctionnel, c'est pas rien. Ça signifie comprendre le système vasculaire, ça signifie arriver à accepter un minimum d'allongement. Tous les vignerons qui sont dans la salle comprendront que accepter l'allongement, c'est pas rien. Je vais vous dire une autre chose, encore pire, ça veut dire qu'il faut qu'à chaque fois, le bois que l'on choisit pour prolonger soit au bout de la plante. Ça veut dire que le courson doit être systématiquement après la baguette. Si on veut construire du bois sain et une plante donc qui cumule ses réserves, il faut absolument que le bois de l'année qui est réduit soit après le système de production. Le bois de l'année qui va nous construire le futur système de production. On est obligé toujours d'anticiper et de constituer un stock de réserve de plus en plus important. Si on commence à constituer un stock de réserve plus important, on va avoir des plantes plus résilientes. On arrive face à des problématiques très fortes de modification du climat, avec des températures très importantes, avec des fois des années de gel précoce, avec de la grêle, avec des maladies que la plante n'arrive pas à gérer, le mildiou, l'oïdium, tout un tas de maladies régulatrices qui sont liées à la monoculture d'une plante qui est une plante, je dirais, souvent clonée, greffée sur un clone, sur des milliers d'hectares. Donc ces maladies de régulation-là ont un impact très fort sur la plante et le seul salut de la plante, c'est d'arriver à stocker suffisamment d'énergie pour pouvoir elle-même arriver à se défendre contre ces agressions-là. Ça signifie donc, voilà, ça c'était tout animé. Ouais, en fait non, c'est irregardable, désolé. Ça signifie, je vais remettre ça là, elle était plus jolie. Ça signifie simplement qu'il va falloir modifier un peu notre viticulture. Je vais en avoir une dernière, voilà, ça comme ça c'est un peu moins laid. Donc ça veut dire qu'il va falloir adapter nos modes de taille à la physiologie des plantes, mais que ce soit pour la viticulture ou que ce soit pour l'arboriculture. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la plante comme un système étanche et comme un système où on doit maintenir l'étanchéité le plus longtemps possible. Donc ça veut dire accompagner la plante, non pas en adaptant la plante à un palissage, une plante vivante à un palissage mort, non, mais en adaptant à un palissage et en faisant en sorte que le palissage soit évolutif durant la durée de vie de la plante. Comprendre aussi donc ce stockage des réserves comme une clé pour une viticulture vivante et rentable. Si on met des arbres, et si la vigne pousse si bien dans les arbres et si les treilles sont souvent moins malades, c'est parce qu'elles ont plus de bois vivant et qu'elles ont aussi plus de feuilles, plus d'espace, plus de photosynthèse. Et c'est donc bien les feuilles qui fabriquent les racines et pas les racines qui fabriquent les feuilles. Merci.